Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Little Nightmares. Cette fois on va faire l'épisode 2, du coup donc on se rappelle dans l'épisode 1, on avait vu un monsieur très flippant qui traînait aux alentours de berceaux d'enfants. On va peut-être en découvrir plus dans cet épisode-ci, je ne sais pas, on y va, c'est parti, Little Nightmares. Little Nightmares, comme disent les anglais, you know, c'est parti. Ok, donc on se retrouve toujours avec le petit monsieur, on se souvient des touches pour... Ok, donc pour prendre un truc, pour s'abaisser, pour courir, c'était... Ouais, je me prends le mur, mais à l'aise. Comme ça, pour les lumières, c'est ça. Ok, c'est bon, on se souvient de tout. On est pareil. Alors... Qu'est-ce que cet épisode nous réserve? Cette ambiance m'avait pas du tout manqué, putain. Oh. Bonjour. Tu vois pourquoi, mais la chaise, je la prends parce que je sens que je vais en avoir besoin, en fait. Ouais. What? Attends, je serai où? Oh, une petite dalle. Une petite dalle magique. C'est ça? Oui. Attends, ouais. Voilà. Hop là. Ah, il est ici. Ok, il est parti. Bah, je sais pas s'il y a quelque chose à faire ici ou pas. Non. Il y a un bouton ici. Hop là. Ok, ouais, on voit des trucs. Les petits bonshommes là. Oh putain, c'est quoi ce truc dégueulasse à la gauche? Un tas de morve, mon gars. Ok, ouais. Ah, c'est glauque. Ok, c'est tout. Ok. J'avais vu à quel point c'était glauque ce jeu. C'est ça en fait, c'est pas tellement un jeu qui, je trouve qui fasse peur, mais c'est un jeu vraiment très très glauque en fait. Ah, bah ici du coup il est là. Reviens ici mon petit gars. Hop, il est passé où? Là il est par là et... Ah bah attends, il est ici. What? Je savais même pas qu'on pouvait les prendre. Je sais pas ce que ça fait en tout cas quand on les prend. Bah c'est très bizarre. Mais à l'aise. Alors... Ok, ici il faut monter je suppose. Hop là. Hop. J'ai jamais autant stressé dans un jeu où il se passe pas tellement grand chose en fait. Je pense qu'on peut prendre la valise. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans le jeu, c'est beaucoup de la découverte en fait, mais l'ambiance est macabre, vraiment. Voilà. Ok. En fait je monte mais je sais même pas ce qu'il y a plus haut. Il y a une clé. On admire un peu les tableaux par la même occasion. Oula. Ah non, c'est bon, ça va. Bon, alors la clé, je la prends avec parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va en avoir besoin. Hop là. Voilà. Donc il fallait par ici. Alors, allons par ici. Hop là. Ok, donc là je l'envoie. Hop. C'est bon. Non mais vas-y, ouvre la porte. Hop là. Oh, y a un petit singe. Du coup, donc là, j'ai l'impression que si j'appuie sur ça, ça l'envoie, c'est ça? Ok. Alors, par contre, toi, je vais te prendre avec. Je sais pas pourquoi, mais je t'aime bien. Ça me donne un peu de courage, en fait, de t'avoir. Hop là, bonjour. Hop là. Ah bah non, en fait, il faut que je... En fait, il faut que j'actionne l'ascenseur, là. Hop, 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 hop. Hop là, les gros bibis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me cacher. Bah, j'ai envie de me cacher là, en fait, je sais pas ce qui peut arriver. Et du coup, ben... Puis dans tous les cas, si je suis dans une petite caisse, on verra moins.
il y avait un petit bonhomme à chapeau qu'on a vu. J'attends que ce soit bien ouvert. Ouais, ok. On peut y aller. Ah, un petit rat. Oh non. Il sent à nouveau pas bien. Mais il a faim, c'est facile, ou alors il suffoque parce qu'il tousse. Ah là, non, il a toujours faim. Il a faim comme la dernière fois. Là, c'est le moment où on a envie de recroiser le petit garçon là qui nous avait nourri la dernière fois, qui était si gentil avec nous. Ah, ici, hein, une petite lumière. Hop là. La petite lumière qui fait du bien. Il a vraiment mal au bide. Là, il faut absolument qu'on bouffe quelque chose. Et du coup, il avance pas du tout vite. Et si on se fait poursuivre maintenant, on est dans la merde. Hein. Ah, là, il y a un petit morceau de viande. Pas comment il faut y aller. Là, j'ai entendu un bruit derrière moi, ça me fait flipper. Ouais, non, je te parie. Je croyais qu'on va se faire enlever ou un truc comme ça. Oh putain. What? J'aime pas du tout ça, j'aime vraiment pas ça. Oh c'est glauque. Mais ses mains. Oh c'est glauque. Putain mais c'est des gens comme moi quoi, c'est des genre des mini-humains. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des humains, on dirait. Mais mec c'est flippant là. Comment qu'on fait pour... Ok, comme ça. Hop. Faut vite se casser avant qu'il revienne, mon monsieur. Yes. Vas-y, casse-toi. Ok, yes. Oh merde, je l'ai fait tomber. Et allons par... Ok, yes, je pense qu'on va pas pouvoir aller par... Oh non. Une fois qu'il faut se diriger vers le monsieur aux grandes mains, monsieur aux grands bras. On peut pas aider nos poteaux et faire une espèce de révolution comme ça? Ok, là, apparemment, il va falloir. Putain, c'est horrible. On tire la cage, il est toujours dedans comme ça. Ouais, c'est tellement horrible. Hop là. Voilà. Oh yes, on sait se balancer. Oh attends, je parie que genre si on la lâche, le truc va remonter du coup. Je pense que si on se balance bien et qu'on fait ça. Du coup j'appuie sur une mauvaise touche en plus, j'ai failli me faire écraser. Oh là là mec. Par ici? C'est une porte ça? Faut aller par où? Yes. Bah je vais par où moi du coup? J'ai totalement oublié qu'on avait une lumière, mais du coup c'est bien pratique d'avoir une lumière quand même. Eh oh, par où on me fait, monsieur? Là. Ah ok, faut monter. Pourquoi pas, hein? Hop là. On s'allume la bougie? Oui. Je suis désolé. Ah, il y a une vieille truc pour tuer les gens. Je sais plus comment ça s'appelle. Un truc pour couper les gens. Ok. Allez, bah go, c'est parti, on continue. Oh putain! Oh mec, c'est quoi cette... Oh mec! Ah non, là c'est vraiment glauque. Je pense qu'il faut passer genre discrètement derrière. Oh mec. Oh. Oh mec, oh putain de merde! Il a les yeux bandés, il peut pas me voir, je pense. Ouais. Ouais, je pense qu'il va falloir aller par là. Et du coup. Oh, mec. Mec, c'est cauchemardesque. C'est quoi ce truc? Ah, mec, je suis pas rassuré. Bon, on va quand même attendre qu'il se casse de là, hein. Très clairement.
Ok, donc là il est en train de se casser. Je pense que ouais, il a des grosses oreilles, il doit se repérer au bruit sûrement. Oh mec. Oh là 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 là. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Oh. Mec, mais oh, tellement glauque, mon gars. Mec, je suis pas rassuré en vrai là. Qu'est-ce qu'il fout? Mec, il a tellement long bras. Mec, viens, genre dès qu'il va par là, je cours. Je cours, je cours, je cours, je cours sa mère, je cours sa mère. Oh là là, non, 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 non. Me suis pas, me suis pas, me suis pas, me suis pas, me suis pas. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Il m'a pas suivi? Ça se referme. Ok. Il a l'air de se repérer genre au bruit et à l'odeur. Ok. Du coup, je sais pas s'il faut mettre ça pour activer la trappe. Ok, yes. Oh, ça fait un bruit de malade. Oh putain de merde, merde, ma ville, cours, 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 cours. Mec. Oh putain, mec. Plus jamais je veux qu'on... Plus jamais je veux qu'on le recroise de notre vie, j'allais dire. Mec, c'était... Oh mec, c'est enfer, quoi. Mec, c'est tellement creepy quand ils courent après comme ça, les méchants. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un espèce de truc à... Un espèce d'endroit où on stocke les chaussures? Ok, ouais. Ouais, c'est quoi ce truc? Ok. C'est hyper glauque. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment pas envie de savoir ce que c'est en fait. Ok, mec, mais... Comment je fais pour... Enfin, là, je vais où? Je sprint et je prie. Je sprint et je prie, hein. C'est parti. Wow. Cours, 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 cours. Cours pour ta vie, cours pour ta vie. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, allez, c'est bon. C'est quoi ce bruit? Oh putain de merde! Oh, mec, cours, 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 pour ta vie, cours pour ta vie, cours pour ta vie, cours, 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 cours. Mec, putain, oh mec, il va me rattraper. C'est la merde là, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Allez, go, go, sprint, 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 sprint. Oh, mec, cours, 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 cours. Il me suit plus. Vite, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Non, c'est bon, il me voit pas, il est aveugle. Putain, vas-y, mets tes mains sur les boîtes là, mais surtout pas sur les miennes. Non, 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 mec. Cette vision du diable, mon gars. Oh, oui, heureusement. Oh, il y a des trucs qui s'échappent, vas-y, celui-là. Magnifique, ça. Ah putain, puis je sens qu'il va falloir le suivre, hein. Je sens qu'il va falloir le suivre. Ok, ouais. Ah putain de merde. Plus de retour en arrière possible en tout cas, hein. Ah, c'est quoi ça? Il y a un truc qui vacille, si c'est moi qui... Oh, bah. Yeah. Toi, je te prends avec moi parce que je sens que dans le doute, en fait, on pourra en avoir besoin en mode pour le distraire, tu vois. Oh là là. Regarde-moi ce... Oh là là, mec. Je prends pas l'objet avec moi, j'ai peur que le lâcher sans faire exprès, que ça fasse du bruit. Et ça le rameute en bas en mode... Coucou mon petit enfant, je t'ai vu. Oh mec, je suppose qu'il va falloir monter, c'est ça? Ou un truc comme ça? Ah, oh, ouais, ici on peut monter.
Mec, mais si ça donne pas du tout envie. Enfin. Ah, y'a un petit trou là. Bon, ok, j'ai compris. Oh là là là. Ok, monte, 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 monte. Oh mec, oh non, 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 monte, 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 monte. Oh mec, c'est quoi cette main? C'est quoi cette main? C'est quoi cette main, s'il te plaît? Mec, mais oh, j'aime pas. Oh là là. Ce genre de jeu, mec, ça me met tellement en stress. Là encore pour moi, là, il peut encore mettre sa main. Hein. Ça veut dire que genre, je peux encore voir sa main qui va venir et faire coco. Mec, c'est quoi cette. Ouais, j'oublie toujours que j'ai la lumière. En plus, la lumière, c'est vraiment sur le truc que je peux utiliser facile parce qu'il voit rien. Oh mais j'ai cru qu'il allait rester, qu'il allait nous voir, c'était foutu pour nous. Hein. Là, j'ai cru que c'était foutu pour nous, j'ai cru que c'était vraiment jeté dans sa gueule en mode hop là. Oh mec. Ouais. Oh mec, what the fuck? Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Oh mec, non, 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 ok. Oh, il y a des trucs. Il peut pas nous entendre là du coup. Ok, oh là là, oh mec. Oh mec, mais c'est hyper flippant. Ok, il y a un bouton. Faut que j'aille récupérer une chaussure. Ok. Là, je me mets à nouveau, genre. Dès qu'il y a le prochain truc, mon gars, on lance la chaussure et on fouille. Hop là, go, 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 go. Elle enfouit, elle enfouit, elle enfouit, elle enfouit, elle enfouit. Cours, 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 cours pour ta vie, cours pour ta vie. Oh, je l'ai vu. Oh mec, please. Ok, ouais, il faut monter, il faut monter. Oh, mec, ça me met en. Ça te met une pression ce jeu. Ah, plus de lumière. Hop. Bah, je suppose qu'il faut attendre qu'il vienne. Sinon, on va activer les touches et ça va ramener l'autre. Ok, bon, dans tous les cas, on touchait le truc. Ça a pas ramené l'autre. En tout cas, ça c'est bien. On continue à monter. Mais en plus, il arrive de manière mais tellement horrible. C'est quoi cette manière d'arriver? Je sais pas, genre, tu fais oui, bonjour, salut, comment tu vas? Mais mec, t'arrives pas en mode moitié de Tarzan, Tarzan décédé, quoi. Il y a une manivelle à trouver. Je suppose qu'effectivement, il faudra aller par là, c'est ça? Il faut aller par là pour la trouver, cette manivelle. Voilà, mec. Je pense que là, il peut pas nous entendre. Mais, ne dis pas qu'il faut escalader la pile de livres. Rien de plus instable dans une vie qu'une pile de livres. Oh, mec, s'il te plaît, les livres, ne tombez pas les livres, franchement. Ok. Et okay, donc là, si on fait tomber le singe, on est mort. Oui, ah oh, merde, oh le bloc. Non, ça va, c'est bon. Ok, yes. Ok. Ouais, vas-y, genre. D'abord, je suis moins serein en fait. Parce que s'il y a un truc qui tombe, là, c'est vraiment la merde. Et là, franchement, je suis pas du tout serein. Oh! Ok, ça va aller, ça va aller. Yes. Ok, ouais, non, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, mec! Une pression, mon gars, mais phénoménale. Ok, là, je pense que je peux passer sans problème. Faut que je monte la pile de livre ou faut que j'aille par la porte? Ouais, non, je pense que si. Oh!
Non, 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 non. Mec, je me suis relevé 2 secondes. Non, 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 non. Non, mec, mec. Il nous voit pas, il nous voit pas, il nous voit pas. Non! Oh! Franchement, j'ai eu peur pour pas grand chose. Il nous a juste pris. Ça va, mec. Au début, je croyais qu'il y avait un truc gore ou quelque chose comme ça là. Ah, ok, nous sommes juste remis là-bas. En fait, on était au coin. Et en vrai, c'est stressant, mais en fait, au final, il te fait pas grand chose. Enfin, il t'attrape et il te met un peu plus loin. Jeu flippant, mais genre, une fois que t'as été pris, en fait, ça va. Là, en fait, j'ai plus très peur parce que je me dis qu'au final, s'il me prend, ben. Il me repose quoi. Le jeu qui perd tout son sens une fois en fait que tu as perdu. Alors mais j'avoue quand même ça te manquera un peu la pression pour pas te faire voir mais. Oh! Mais mec! J'ai même plus peur là, je suis juste en train de me dire what the fuck? Comment il a fait pour m'entendre? Ah peut-être qu'il faut attendre qu'il soit passé et pas passer directement quand il est là. En fait genre là j'ai rushé le jeu, tu vois, j'ai été trop rapide. Bon mec, on l'a tout bien contourné. Ok, cette fois-ci on retient. On monte direct là, sans se lever. Ok. T'as à dire que la dernière fois il m'a juste entendu juste parce que je m'étais redressé quoi. Il m'a entendu là? Non, c'est pas le voir, bon tant pis. Ok, ici il y a la manivelle. Et il y a aussi. Ok, on s'est pas revenu en la. Ok, il va devoir ouvrir la porte, je pense. Faut du coup allumer. Faut allumer la télévision et ce sera bon. Attends, c'est une blague quoi, il m'entend me relever, par contre ça il n'entend pas. C'est une blague? Mec, mais il faut quoi? Hein? Mec, je me tais quand il arrive, justement. Alors que bien sûr, il peut pas m'entendre, je peux lui dire la trou du cul, il va pas m'entendre, hein, mais. Mec, c'est tellement genre le réflexe. Ouais, mec, avec tout ce bruit, mon gars, là, franchement, s'il nous entend, là, c'est un. Il a des putains d'oreilles qui peuvent vendre au cirque, quoi. Hein. J'ose pas trop faire de bruit encore, mais. Ok mec là franchement ouais non là c'est bon plus aucun moyen de nous entendre là on est trop loin. Oh mais non mec. Oh mec on va devoir activer la manivelle, ça va faire un bruit de ouf. Ça va juste faire un bruit de ouf mon gars, on est prêt? Allez, on est prêt. Et voilà, hop. Ça d'office. En fait, non, il nous a pas suivi. Je sais qu'il allait nous suivre, mais en fait, pas du tout. Ok, il y a un truc là, je pense que ça, il va falloir le tirer. Oui, monsieur. Hop. Et je pense que du coup, on va encore le recroiser, hein, par contre, le guignol là. Je vois mal d'un coup faire en mode non, t'inquiète, on est plus là. Oh non, il va encore bien nous faire chier, je pense. Hop là. Ok. Ça, je pense qu'on va en avoir besoin ici. Ouais, il y a une clinche, du coup. Hop, 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 hop. Non, 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 viens, viens, viens. Alors, vas-y, hop là, vas-y, prends-le. Ok, c'est bon, en plus. Ok. Allez, vas-y, accroche-toi. Voilà. Muscle up, toi-même, tu sais. Hop là, boum. Oh. C'est quoi ce truc là qui pendouille en bas, mon gars? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était vraiment enfermé dans un sac. Vraiment glauque. C'est vraiment putain de glauque. Ok.
En vrai, ces endroits-là, c'est un peu les seuls endroits safe comme ça, tu vois. On est sûr qu'ils viennent pas au moins. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule, moi? Mais ferme ta gueule, putain! Mais putain, pourquoi j'ai dit ça? Mec. Pire truc de l'univers. Ok, donc là. Comme ça ici. Ok, c'est bon, on les a pas vus. Ok. Mec, j'ai peur que la main survienne de n'importe où maintenant. Pour moi, la main, elle peut venir de n'importe où, mon gars. Elle peut même venir d'ici, hein. Hop. Quoi? Oh, mec, non, 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 non. Mec, what the fuck? Cours, 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 oh là là là. Ah, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Vas-y, cours, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Mec. Mec, what the fuck, mec? Non, 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 non. Mec, mec, t'as les mains les plus longues du monde. Ici, je suis safe. Ici, je suis safe. Mec, c'est quoi ça? Mec, c'est quoi cette main? Mec, je suis sûr qu'il faut péter la cage. Mais la cage, faut la péter. Oui, 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 c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Yes, 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 yes. Ok, je me remets en haut, je me remets en haut, je me remets en haut. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Ok. En fait, si la cage pète, je pense, il se fait démolir. Il se fait démolir sa race. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Oh là là, oh là 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 là. Je sais pas si je suis descendu trop vite ou pas. Ok, là. Je vais ici comme ça. Oui. Il est mort là. Est-ce qu'on veut essayer de voir de l'autre côté? Il est mort, mon gars. Bah alors. Quoi? Oh mec! Oh mec, il est toujours en vie? Oh là là, mec, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Le mec là, il est mort. Il n'y a pas d'autre truc possible, mon gars. Il est dead là. Il est dead, c'est des spasmes post-mortuaires là, c'est impossible. Il est dead. Il est dead, dead, dead. Ok, mais donc voilà, donc c'est la fin de cet épisode 2 sur le Let's Play Little Nightmares. Franchement, c'est genre, ça te fout une pression monstre. Franchement, même après que je sache qu'on se fait juste attraper et au pire, tu te bats les couilles, tu vois, il n'y a rien de gore et tout, etc. C'est pas vraiment peur. En fait, une fois qu'il t'attrape, t'as plus peur du tout, en fait. Mais juste, mec, ça te met une pression de malade. Genre, même après, genre, j'étais pas bien, je voulais pas qu'il me rattrape, je voulais vraiment pas qu'il m'attrape, je me sentais oppressé. Putain, dans ce jeu, il prend, il fait pas peur, mais il est oppressant de malade. Et du coup, donc, j'ai hâte de découvrir la suite, et j'espère que vous aussi. Bah, du coup, on se dit, je vais faire un changement niveau horaire, par exemple, pour les vidéos. Du coup, donc, tous les mercredis, à la place d'une vidéo normalement courante, il y aura du coup un let's play sur The Little Nightmares, et ce, jusqu'à la fin du let's play. Et par contre, le dimanche matin à 10h, il y aura toujours donc les autres vidéos. Mais du coup, donc, les let's play Little Nightmares sortiront du coup donc, le mercredi à 18h. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu et pour montrer que tu aimes ce let's play, justement, ça me donne encore envie du coup donc, de vous le faire partager encore plus. Et sur ce, donc, on se dit à la prochaine dans le prochain let's play, l'épisode numéro 3. Ciao!